Oui, on peut jouer, enfin. Trop stylé, les mecs. J'ai un petit air à Javier Bardem, je trouve. Bon, si avec ça, je nique pas des mères. Est-ce que pour commencer, tout doucement, on n'irait pas à Stalber? Comment tu sais? Ouais, il y aura personne. C'est parti! C'est parti! Formation carrée! Bah dis donc, le carré, il a un sommet qui part à Brest. T'as pris l'arme que je voulais! Viens là! Oui. Oh, j'essaie de le buter avant lui! Non, il est où, Jacobin? Oh putain, ils l'ont déjà buté! Oh putain, c'est fini pour vous! J'ai un sac T2! Un antidouleur et un sac. C'est bien. Nickel. Balance le sac sur eux. Attaque de grand-mère, tu sais. Et dis donc, espèce de jeune garde-mort. Il fait les poubelles, juste aussi. C'est la S, mec. Regarde le quoi. Il entend un bruit. Non, je me casse. Ah non, c'est bon, un pompe. Oh. Ça va soulever de la daronne, là. Mec, t'es pieds nus. Bah oui. Putain, le mec trop hardcore. Chitan, quoi. Il fait les poubelles, il a pas de chaussures. Vous connaissez pas la technique pour réduire les bruits de pas? Il a pas aimé. Il ferme la porte. Bon, une minute, faudrait peut-être songer à prendre de l'avance, non? Oh non, c'est bon, moi je me tire. Ah! Wow! Quelqu'un va vous dire. L'un de vous deux va devoir y passer. Ah, le con! Info! Ah bah devant moi, collé! Il me fait des bisous! Ah, oh, c'est pas cool! Allez, vas-y. Je peux le faire. Essaye de les tuer à main nue. Ils sont deux! Il y a lui et son pote! C'est bien de mettre des coups de poing. Mais putain, il saute pas. Bah non, je crois qu'il surchappe. Je vais appuyer sur espace. Ah ouais. Oh, pas mal. Oh, à droite, à droite. Aïe. Non, mais à partir de ce moment-là, je m'en foutais de survivre. Je voulais juste niquer la game du dernier. Ah, c'est gentil ça. On voit les gens qui sont pleins de bonnes intentions là. Non, et puis de toute façon, quand on est early comme ça, on perd de loustic. Autant s'amuser et aller chercher la bagarre. Bah, surtout que j'ai lancé OBS, donc il me faut du contenu. Non, bon, vas-y. Contenu. Bon, bah, ouais, je me mets un poil, moi, allez hop. Ça fera des heureux. Il ramasse tout ton stuff. Hey. Oh, le gitan. Regarde, j'ai cause. Il y a un gitan, il pique tout ce que t'as posé par terre. Il y a un gitan. Allez, même. Vous m'excuserez, hein, je garde quand même mes mitaines parce que je suis un peu pudique. J'ai des limites. On peut aller à Pochinki. J'ai ma tante qui habite à Pochinki, on pourrait aller boire un café chez elle. On ira mater. Putain, qu'est-ce qui va passer en ce moment? Ah oui, maman, j'ai raté l'avion et l'intégrale des dessins animés d'Astérix. J'ai froid à l'arrêt, hein, les gars. Pour voir un coup sur la toile, ça va faire un coup dans quel fond. On avait mieux. Putain, les insectes, ça fouette. Oh, j'en ai plein les dents. Oh putain, je me fous sur la gueule avec quelqu'un. Oh non. Il meurt tout le temps en premier. Mais non. Mais Jacobin, mais pourquoi tu meurs tout le temps en premier? T'es pas noir pourtant. C'est bizarre, ouais. Ça devrait être le black avec la coiffure de David Bowie. Ah, Astral. Rien, moi je suis. Je suis pas noir. Arrêtez. Il y en avait un qui était près des deux grosses maisons carrées. Je lui ai proposé de manger mon sexe, il a refusé. Voulez-vous manger mon sexe, monsieur? Bon, pas tant que ça, hein. Pas très envie. Hein. D'habitude, ça me reste sur l'estomac. J'arrive pas à l'avaler d'un coup. Oh, il y a une mini 14 ici, si vous voulez. Ah, moi je veux bien. Ah non, je suis mort. Oh non. Oh, non. Vrai, je suis mort. Attrape. Attrape. Pourquoi attrape? Oh putain, sa mère. Oh Seb, attrape. Non, ta mère. Eh ben, j'ai même pas envie de te donner les balles que j'ai trouvées. T'es plus ma copine. T'es plus mon pote. Jusqu'à demain. C'était tellement ça en plus. T'es plus mon pote pour 3 jours. T'as des CDD copains, tu sais. Copains à temps partiel et tout. Je pouvais lui proposer que 2 jours parce que au bout de 3, je me serais affiché sinon. Non, et puis les charges patronales, tout ça, tu te rends pas compte. Ouais, mais bon, tu vois, ta popularité, elle est pas top. Tu bouffes tes crottes de nez pendant la récré. J'ai un sniper, mais y a pas de lunettes dessus. Oui, donc c'est une arme de merde. J'ai un sniper. Oh ouais, génial. Par contre, j'ai pas de viseur dessus. Je l'ai customisé en arme de merde. Pimp ton flingue, j'appellerai ça, c'est l'émission Pimp ton flingue. Américain, c'est l'émission américaine. Un bon gros tuning sur ma SKS là. J'ai fait imprimer des tribales ou tribaux sur la crosse. Ouais, sur le comté. Ça intimide les ennemis, ça. Puis j'ai enlevé le chargeur.
Je l'ai remplacé par Et sur le camion, et sur le canon, j'ai mis un fagnon du RC Lens. Comme ça, ils savent à qui ils ont affaire. J'ai tous les deux en calbar en train de courir. Et ouais, c'est ça le swag. Ah bah, j'ai pas le temps de me torcher, hein. Du coup, je fais ça avec les herbes qui passent. Hein. Allez. Bon, après, je t'avouerai que les hautes herbes, c'est pas du lotus, donc bon, ça irrite un peu. Non, je préfère les orties, moi, ça désinfecte. Oh putain. Bon, écoutez, bah y'a personne. Ok, contact! 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 255! Attention, je suis ok, au-dessus de la colline, 255 au-dessus de nous là! Il est là, l'autre con! Oh la vache, mais. Ah merde, putain! Mais donc, c'est des belles games tout ça! On s'amuse, putain, sur ce jeu! Génial! En même temps, on n'a pas de chance, hein, deux fois qu'on perd notre meilleur élément dès le début. Je suis cassé la cheville en descendant les marches! Je suis brisé la nuque dans les marches après! C'est lié au fait que c'est notre meilleur élément! Hein. Jacobin va-t-il pouvoir jouer cette fois? Vous le saurez après! Ah, suspense! Alors voilà, là on a la brume. C'est un avantage pour nous, les snipers ne pourront pas nous cibler. Bon, on évite Pochinki là, on va essayer de trouver un endroit plutôt tranquille, genre. La ferme. Évitons Pochinki, allons à l'église de Pochinki plutôt. Non, on est mort. Non, y'a des marches, c'est dangereux. Farme, allez. À la ferme, ta gueule, pauvre con. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. C'est dans la classe américaine, je crois. Un truc du genre. Si, c'est la classe américaine. Le grand détournement. Tu n'es vraiment pas très sympa. Tu dis vraiment, on est intéressant à part. Mais le train de tes enjeux roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. C'est incroyable ça, tout le monde croit qu'on est pédé alors qu'on est même pas pédé. Ça commence à être pesant cette histoire de pédé. Tout le monde s'acharne sur nous alors qu'on est même pas pédé. Bah ouais, je sais. Ça la détresse en savoir. Oh, car 98. Dans le brouillard, c'est idéal. Oui, j'avoue. Le brouillard, c'est la meilleure arme. Putain, pour une fois que je chope cette arme, c'est une game où il y a du putain de brouillard. C'est un avantage pour nous, les snipers ne pourront pas nous cibler. Niquez vos mères, les reines des p***. Jacoba, regarde-moi. De quoi? Attends, c'est où? C'est ce qu'on appelle le sens des priorités. C'est vrai qu'il y a juste une doudoune. Non mais le pire c'est que j'ai une doudoune et j'ai rien en bas, j'ai ni chaussures ni futale. Ce qui est bien quand t'as la peau noire et que t'enlèves tes vêtements, bah finalement t'es camouflé. Ça dépend pas dans la neige. Ça dépend pas dans la neige. Un noir dans la neige, c'est pas tellement camouflé. Sauf les dents. Tu peux pas viser les dents. Tu les vois pas. Mon dieu, il y a un trou au milieu de son visage. C'est incroyable, on lui a déjà tiré dessus. Ça doit être looté ici. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, ça veut dire que je vais me faire tuer. Attention, oui, il marche. Mais alors je prends un risque, je prends les escaliers là. Oh putain. Ah, je suis mort. Il a la coiffe. Eh hey, les amis, venez. On dirait Butters. Allez, les amis. Ça va? T'as pas froid, Jacob? Non, ça va, c'est un caleçon chauffant. C'est sympa au niveau des parties. Bon, je peux pas produire de spermatozoïdes, mais... Ouais, c'est clair, voilà. Ça réchauffe le sperme pour qu'il soit plus onctueux. Pour qu'il y ait moins de grumeaux. Dernière fois encore, j'ai fait des carbos avec, tu m'en diras des nouvelles. J'ai fait des carbos avec, tout le monde s'en est pas rendu compte. Y'a un peu trop de sucre dedans, mon cousin qui est diabétique, il a pas aimé. Par contre, ma cousine, elle a grave kiffé, mais je peux pas dire pourquoi. Les belles histoires de famille. L'histoire ch'ti. On va se calmer avec les ch'tis. Je suis à la fois de Lille et de Brest, et alors? Y'en a qui les cumulent quand même, hein. C'est pas, t'as beaucoup de midi-chloriens dans le sang, t'as beaucoup de... Ouais, ça c'est le taux de consanguinité. En fait. T'as trop de chromosomes dans le sang. Ah, y'en a encore un qui a eu du rap de chromosomes à la cantoche. Eh ben moi je suis tellement fort que des chromosomes, j'en ai 27. Chromosomes, attrapez-les tous. Et lui, on va lui donner un petit avantage, disait Dieu. On va lui donner un chromosome en plus. Oui. Perdu. Félicitations Muriel, vous repartez avec un nouveau chromosome, bravo. Oh ouais, merci Muguel. La violence. Non, ce n'était pas le radeau de la raduse, non de la méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports. Oui, balance ton port. Hashtag Weinstein. Le remix de Weinstein. Il est toujours sur son toit. Attends, ouais, attends, j'ai peut-être une opportunité de lui niquer sa main. Oh, derrière. Mais je suis tellement nul, putain. Derrière. Oh ou pas la vache. Mais j'ai mais moi, mais c'est moi. Je suis désolé.
On retourne à la ferme. Moi, j'ai pas réussi mes études d'architecte, du coup, je suis revenu pour ça à la ferme. Je suis arrivé, il y avait personne. Du coup, je suis retourné à la ferme. Du coup, je suis retourné à la ferme, mais il y avait personne non plus. Donc, je sais plus trop quoi faire désormais. J'ai comme un mauvais pressentiment. Cher journal. Jour 2674. Toujours personne. Toujours personne ici. Et ce brouillard s'épaissit. Vis ma vie d'habitant en centre-Bretagne. J'ai décidé de me faire des huîtres au barbecue. T'as l'image du mec qui pète une grosse broche dans les huîtres, mais à même la coque, tu vois. Une brochette d'huîtres. C'est croquant au milieu. Non, pas mauvais. Je traverse. Oh putain. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Parce que je vais le back. Il est à droite de l'entrée de... Ah, oh putain, putain. Non, mais sérieux. Mais c'est sérieux. Mais c'est quoi ça ? Toi aussi, tu t'es fait fumer ? Ah, tiens, je te cogne ! Vas-y, tu veux te battre, mais t'es chier ! Le petit cousin, là, au fait de faille. Tu veux te battre ! Cours sur pattes. Regarde ton manteau, il y avait un putain de bug. Ah, j'ai pas vu. Très probablement mourir. Because of zone. Bah, c'est la fin. Ah, oh, bah merde, j'ai pas de soin. Allez, enculé ! Mort aux infidèles. J'adore, le mec a fait un timing parfait. Là, c'est le timing parfait pour soigner. Ça serait vachement plus spectaculaire si on explosait en dehors de la zone. Ah oui. Ce serait comme dans un micro-ondes. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, ces radiations, ça me réussit pas. Oh. Ça me réussit pas. Je suis un peu pâle. Putain, mais Sébastien, ton père. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, mon style? C'est parfait. Blague David Bowie. Oh, comment il va d'ailleurs? Bah écoute, il va mieux. Après son cancer, il n'a plus mal nulle part. Oh, nickel. J'ai adoré quand il a chanté Don't Look Back in Anger. Bien. J'ai envie de pleurer. Je l'ai pas respecté. Je préfère, c'est quand il chante en français. Il chantait quoi? On peut être des héros. Il chante Heroes. Il chante Heroes en français. Sérieux? C'est... J'ai jamais entendu. Bowie en français, par contre, c'est folklore. On peut être héros. Moi, ça m'a pris 2 minutes pour me rendre compte que c'était du français. Ah, c'est comme dans toutes les chansons de Gérard de Palmas. Sauf que lui, pour le coup, bah, il est français. C'est ballot. Respect, t'es en prison. If you love me, let me go. Réflexe. J'ai personne. Réflexe! J'ai de la tourette. Non. Couille! Elle est où? Ah oui, il va y avoir du monde. Bah, allez. Ah ouais, ça va être blindé, hein, mais ça va être. Plutôt les bâtiments à côté, universitaires. Ouais. C'est ça. Les chambres étudiantes. Mais c'est ça, c'est des bâtiments universitaires. Où c'est-il qu'on peut aller? Bah, Yasnaya Polyana. Ouais, il devrait y avoir personne, allez. Il est temps de sortir de notre campagne un peu et de vivre nos vies de jeunes délinquants. C'est vrai, la ville ne va pas venir à nous. On dirait vraiment un début de comédie musicale. West Side Story. On va faire une comédie musicale sur le toit comme ça. Puis BG Side Story. Ah, bandage. Ah, Bandage. Bandage. Est-ce que bandage. Tu as du bandage? Oh, vas-y, j'ai trop envie de tenter. Je tente le colis. Tu veux venir? Bah oui, attends. You... Allez, viens. Oh là 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 là. Allez. Oh la bande de vainqueurs. Oh, c'est la fin. On se croirait dans la grande vadrouille, ça. Voilà. Vite frère, tu fais par ici. Bon, bah, j'ai. Il a trop raison. Putain, mais il y en a partout. Ils sont partout. Ils sont partout. J'ai un copain, il marche, il tire. Ah, ne le sauve pas, tu arriveras pas. Mais si. Vous pouvez pas le sauver. Il y avait 5 teams sur le colis. J'ai jamais vu un colis aussi pris. Le truc, il a pas eu le temps de toucher le sol, tout le monde était mort autour. Voilà, une dernière pour moi. Allez, une ligne dernière pour tout le monde, on s'arrête. Comme ça, je vais prendre la douche. Ah bah tiens, moi aussi, tiens. Bah, c'est pratique parce que moi, c'est quand même ma douche trimestrielle, quoi. Qu'à chaque fois que je loupe ma douche trimestrielle, bah c'est mort. Il y a 4 km pour aller au puits. T'es dans ton... tu te laves avec l'eau du puits, t'es plus sale que quand tu reviens. J'avoue. T'as des algues sur les épaules. Primorsk. Hein, Primorsk? Ouais. C'est pas un supermarché, ça? Ah non, merde, c'est Primark. Je suis con. C'est vraiment un supermarché, ça, Primark? Ouais. Comme un mammouth, ça a été racheté par Leclerc ou Carrefour. Non, par Disney. Par Disney, oui, il rachète tout. Il est juste derrière la maison en rouge, Jaco. Bah, putain, il va falloir que je finisse mes phrases un jour. Jaco. Bah. Jacob. Bah.
Benjamin. Oh Benjamin. 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 Aïe 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 aïe. Ah mon dieu, je n'ai rien vu. Merde, faut que je sauve Jacobin. Oui, mais c'est une. T'inquiète pas, tu vas pas spectacle longtemps, on est tellement dans la merde. Just Douzit qui fait toujours le coup. Oh, il est de l'autre côté du mur. T'occupes pas de moi, tire. Ils sont dans les murs. Ah, il a été hyper rapide. Le massacre. Just ne pleut comme d'habitude. J'ai que 5 balles, mec. Attaque. Attaque, Morlaix, cadeau. Mais alors un coup de pied de biche quand il rentre. Ah ouais, vas-y, au pied de biche. Il est tellement dans la merde. Vas-y, go, 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 go. Ah putain. Oh putain. Le kamikaze, quoi. Le mec, il sort avec un pied de biche. Bon. Je voulais crier à la Wakbar, mais j'avais pas envie d'être démonétisé. Tu sors avec une grenade dégoupillée. Oh la vache. Oh la. Le... Le A-word. Donc, truc qu'il faut pas dire. Bon bah voilà, je vais prendre ma douche alors. Allez, on va arrêter de nager dans notre jus. Oh dégueu.